Que vois-je ? Une autre plante. Pour avoir la classe. Écoutez. C'est une feuille musicale. C'est des poils bien rêches. Ça, c'est la console officinale. Il y a une feuille qui lui ressemble beaucoup et qui est toxique, hein. C'est la digitale. Mais à la différence de la console, elle est toute douce. Les poils sont tout doux. Et la console, si vous avez un pull, vous pouvez faire un magnifique scratch, alors que là, pas du tout. Ça s'accroche pas. La consoude est une plante qui a des propriétés médicinales qu'on retrouve dans son nom. Elle consolide, elle soude. La consoude, en fait, a la capacité de cicatriser, d'aider à régénérer les tissus. Donc, à la fois les tissus de la peau, mais aussi les muscles, les tendons, les ligaments, les os. En fait, elle aide à refaire du tissu. En général, on utilise surtout les racines, qui sont plus concentrées en ces molécules intéressantes, hein, l'allantoïne notamment. Et ce qui est le plus connu, c'est le baume, un macérat huileux. Pourtant, c'est l'alcool qui extrait mieux. Donc moi, j'aurais tendance à vous conseiller de faire plutôt des alcoolatures. Donc vous récupérez les racines, les grosses racines bien noires, les coupez en petits morceaux, et de les faire macérer dans de l'alcool, pas trop élevé, parce que ça contient beaucoup de mucilage, et les mucilages ne se mélangent pas avec l'alcool. Ça, il faut qu'il y ait de l'eau. Donc vous prenez l'alcool à 45-50 degrés, et vous faites macérer vos racines pendant 3 semaines en remuant un peu tous les jours, vous filtrez, vous avez une alcoolature de consoude que vous pouvez appliquer là où il faut pour aider à régénérer vos tissus. Si vous êtes foulé, si vous êtes abîmé les muscles, une tendinite, tout problème de tissu. C'est une plante qui est utilisée par certains en interne, hein. Mais attention, parce que ça contient des alcaloïdes pyrrolizidiniques. Alors les alcaloïdes sont toxiques pour le foie. Si vous en mangez de façon répétée, une fois par semaine, des petites quantités, là c'est dangereux. C'est vraiment une plante abondante, quoi. Il y en a qui l'amènent chez eux, mais après ils n'arrivent plus à s'en débarrasser. Parce qu'elle se reproduit encore une fois par le sol, donc elle prend de l'espace vite, quoi. N'hésitez pas, hein, c'est une plante vivace, donc vous pouvez prendre la racine un peu n'importe quand. Ah, on a les boutons floraux là. On dit que c'est une inflorescence scorpioïde. On dirait une queue de scorpion. Inflorescence scorpioïde.